Trois-quarts. Eh oui. Un, deux. Eh oui. Un, deux, trois, quatre. Heureux qui, comme Ulysse, Y, grec, a fait un long voyage, comme c'est celui-là. Douceur angevine. Aurore, lis-moi ça. Des tanks en Albanie. Deux pendus à Belfort. Hier, c'était des menaces en Afghanistan. Je coupe. Oh, je ne vois pas pourquoi tu coupes les mauvaises nouvelles, puisque tu vas en parler toute la journée. J'en parle, mais je finis. Ah, capitaine. Il est énervé parce qu'il y a des tanks perdus en Albanie. Je ne sais pas quoi. Je me demande comment vous osez me vendre au prix fort un journal dont vous avez déjà coupé la moitié. C'est pour votre bien. Vouloir le bien des gens est une mentalité de socialiste. Tant que je serai maire de ce pays, on ne se régalera pas avec les viols et les génocides. Vous connaissez ça, vous, hein, un ex-capitaine de la coloniale. Qu'est-ce que vous insinuez? J'insinue, moi? Quand j'ai quelque chose à dire, capitaine, je le dis. Tout le monde a le droit de parler. Ceux qui sont pas contents, ma botte. Mais. Lépine, Marie va prendre son bain. J'arrive. Mais est-ce qu'il faut signer le dossier Colombet? Ça n'arrêtera donc jamais, mademoiselle Chaquet. On ne sait plus où donner de la tête. Hein. C'est tout, j'espère. Non, il y a encore un dossier. À chaque jour suffit à peine. Demain, mon petit. Maintenant, leçon de morale. Écrivez. L'homme s'affirme en disant non. Gabriel. Marie va au bain, vous êtes des nôtres. Ah, c'est-à-dire que les enfants... Oui. Non, mais alors, non, alors, oh, quand même.